druide et doyen, je dois faire face à mes responsabilités. Toutes ces années sans anachron, pas une fois je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. Et là, d'un coup, sans prévenir, crac ! À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi ? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui j'enseignerai la recette de la potion magique et qui deviendra le nouveau druide du village. Quoi ? Il parle d'une recette ! Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi est-ce qu'on choisit forcément le plus sourdingue pour aller écouter au pauvre ? Oh, Toutatis ! Serait-ce toi ? M'invites-tu en ton abalon la secrète où les pommes poussent toute l'année ? Il parle de pommes ! Une recette avec des pommes ? Une tarte aux pommes ? L'arrêté ! J'ai entendu ! Pommes ! T'es sûr que t'as bien compris, Chouchounet ? T'es sûr que t'es pas sourdingue, Chouchounet ? Ouf ! Ah ! Ah ! J'ai une question. Si c'est un autre druide qui fabrique la potion magique, est-ce que j'aurai enfin le droit de la goûter ?